اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله سيرت الله a acheté des croyants leur âme et leur argent parce qu'ils auront le paradis. Ils combattent pour Allah, ils tuent et ils se font tuer. Toute l'apparence de ce verset, c'est l'apparence d'un verset guerrier. C'est ce qu'on a tendance à comprendre. Allah, il a acheté des croyants leur âme et leur argent parce qu'ils auront le paradis. Ils combattent pour Allah, tuent et se font tuer. Donc apparemment, il n'y a pas d'autre explication à ce verset que dire que si on veut voir le paradis, il faut s'acheter un Kalachnikov en 9-4 et puis aller tuer, se faire tuer. Alors que l'islam c'est une... Quand on dit islam, ça ne veut pas dire l'islam de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, toutes les religions s'appellent islam. Depuis Sayyidina Ibrahim et tous les prophètes, ils ont apporté l'islam. L'islam, c'est une religion, comme on parlait avec Anwar, c'est une religion et un message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu pour transformer et sortir le meilleur qu'il y a dans l'homme. Emprunter un chemin dans le changement des caractères bestiaux qu'il y a dans l'homme et transformer cet homme en un ange sur terre. Et un ange dans le sens propre du terme. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit « Ayyuha shab attariku shahwatahu li ajli » Ô toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ô toi le jeune qui laisse ou là, qui laisse tomber ses passions, ses pulsions, ses envies de jeunes, comme tous les jeunes. Et il les laisse tomber et il les combat pour Allah. Tu es chez moi comme un de mes anges. Un jeune qui normalement devrait se laisser entraîner par ses vices. Il dit, je ne vais pas les faire, et je vais combattre cette tendance et je vais arrêter pour Allah. Allah le considère comme un ange, même plus qu'un ange. Plus qu'un ange parce que l'ange, en fin de compte, n'a pas trop de mérite. Il n'a pas, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas créé en lui cette envie de pécher. Alors que le jeune, il a combattu cette envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée en lui pour Allah. Il est comme un ange. Donc l'islam, c'est un cheminement profond. Et quand on lit Sira, ça veut dire la biographie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pas que sa biographie, la biographie de l'islam. C'est-à-dire depuis la révélation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son décès, quand on parle de Sira, on parle de biographie de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les pas
qui ont été faits par l'islam et par les musulmans. Et ce qui est regrettable, c'est quand on lit à Sira, on lit des événements. Si vous faites attention à Sira, c'est des événements. Des événements, c'est d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation, il a dit, celui-là, il a embrassé l'islam, celui-là, et puis il y a eu la guerre, et puis l'islam s'est propagé, et puis il y a eu la conquête. C'est un ensemble d'événements qui, en fin de compte, ne nous parle pas de l'islam et de la mission de l'islam. Ça veut dire, parce que Sirat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui est Rasulullah, avec des hommes qui ont cru en lui et qui ont cheminé auprès de lui, qui ont cheminé auprès de lui pour se purifier et être des hommes dignes de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cheminement, on ne le voit pas dans le sirah. Ça veut dire comment le compagnon, comment il était quand il a embrassé l'islam. Quelles sont les étapes qu'il a traversées, quels sont les états qu'il a traversés, et comment il est décédé, dans quel état il était. Ça, c'est très important, parce que, avant tout, l'islam, c'est un travail individuel, personnel, de chacun. Donc, on ne le lit pas. On le voit dans quelques rares, dans lesquels on voit le cheminement du compagnon auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque événement vécu par les compagnons auprès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était des épreuves pour purifier les sahabas, les compagnons. C'était des épreuves de cheminement. Chaque événement. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend le compagnon qui embrasse l'islam. Il le prend dans un état. Il a embrassé l'islam, ça y est, c'est fini. Il a Allah, Muhammad, Rasulullah, il est musulman, alhamdulillah. Non, ça c'est le début des débuts, c'est le point zéro. Maintenant, il faut qu'il chemine. Je vais vous donner un exemple. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quand il était à Médine, à la Mecque, il y avait un chef de guerre très chevronné, Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait qu'il devienne musulman, qu'il embrasse l'islam. Et c'était un vrai chef de guerre. C'était un homme de guerre. D'ailleurs, il en avait fait voir de toutes les couleurs aux musulmans dans la bataille de Uhud. C'était un génie de guerre. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour l'attirer à l'islam, il voulait le séduire. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Comment il va l'attirer vers l'islam? Il va dire, tu vas venir, tu dois devenir musulman pour Allah. Oui, il ne connaît pas d'Allah, il ne veut pas d'Allah. C'est Nafshash, il lui a envoyé un message écrit. Il lui a dit, viens chez moi. Et je te nommerai chef des chevaliers, général, hein? Des chevaliers. C'est normal. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de l'hameçonner avec un poste dans l'armée. Est-ce que c'est normal? Pour nous, non. Parce que s'il veut embrasser l'islam, il doit le faire pour Allah. Mais non, il faut un début. Il faut l'amener. Il faut l'amener à l'islam. Et après, il va cheminer. Et il sera musulman pour Allah. Et il a mordu à l'hameçon, Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Il est venu à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Il a embrassé l'islam. Il a eu son poste. Ça s'est arrêté à ça. Ça y est, il est devenu musulman. Non. Il doit devenir musulman pour Allah. Il a commencé par devenir musulman pour un poste.
Maintenant, il faut qu'il chemine pour devenir musulman pour Allah. Et Sayyidina Khalid, il était resté en compagnie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est entouré de ses compagnons, son seul souci, c'est les élever. Et ça, on le détecte dans chaque événement. On voit que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son souci, c'est les autres. Son souci, c'est sa communauté. Son souci, c'est les hommes en général. C'est le souci de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit un compagnon, il se satisfait de son état, quel que soit son état. Essayons de rentrer dans Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme plein d'amour pour les hommes, quand il voit un de ses compagnons, c'est quoi son souci? Il dit, celui-là, il est bien, alhamdoulilah. Non, il n'est jamais bien. Il faut l'élever. Il faut qu'il soit meilleur. Et ça, on le voit même dans le Coran. Dans le Coran, on peut détecter le souci de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Parce que même Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait le Coran, il ne faut pas imaginer que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était une machine enregistreuse qui enregistrait les paroles et qui les récitait. Il faut oublier ça. Parce que c'est ce qu'on a tendance à comprendre, que Sayyidina Rasulullah, c'était un recordeur qui enregistre les paroles et qui les récite à Sahaba. Non. Il y a l'odeur de Sayyidina Rasulullah dans le Coran partout. Et le souci de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté dans tout. Et Riyad, il vient de dire ça dans un verset qu'on vient de réciter. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه Ça veut dire le messager d'Allah a cru en ce qu'il a reçu d'Allah. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce mot, qu'est-ce qu'il doit se dire? Moi j'ai cru en mon message. Il n'y a personne qui peut croire en mon message plus que moi, puisque c'est moi qui l'ai reçu. C'est une vérité absolue. Personne ne peut croire au message d'Allah qui a reçu Sayyidina Muhammad comme Sayyidina Muhammad. Personne ne peut avoir cette prétention. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces mots qui montrent sa grandeur, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas sa grandeur. Il veut la grandeur de la nation, des hommes autour de lui. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala voit ce souci dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes, il lui a dit wal mu'minun. Et les croyants. Et ce croyant-là, et les croyants, c'est pour faire plaisir à Sayyidina Rasulullah. Donc, l'islam. T'avais déjà compris ça, Riyad? Donc, l'islam, c'est une voie, c'est un chemin qu'on emprunte pour s'élever et être digne de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Khalid, Sayyidina Khalid ibn Walid, il a dit, viens. Et l'on s'en a fait. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se satisfaire de son islam et de son état. Non. Elle est restée auprès de Rasulullah. Il a assisté aux leçons. Il a eu des remarques de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des guerres après. C'était un chef de guerre qui ne perdait jamais de guerre, de bataille. Jamais. Impossible. C'était un génie. Et il s'est fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous montrer le cheminement de Sayyidina Khalid. Et il nous a montré comment il est rentré à l'islam, comment il a fini dans l'islam. Quand tellement il gagnait de batailles que les musulmans commençaient à dire que les musulmans, ils gagnent parce que c'est Khalid.
Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la foi, ce n'est pas parce qu'ils ont un bon chef. Et ça s'est répandu dans la société islamique. Et pendant une bataille, une grande bataille contre les Perses, Al-Qadisiyah, alors qu'il était chef de guerre, chef des armées, le chef suprême, Sayyidina Omar, qui était le khalife, au milieu de la guerre, il n'a pas voulu que les musulmans continuent à croire en Khalid plus que l'islam et que la foi. Alors il a envoyé un messager. Il a écrit un message à Sayyidina Khalid en pleine guerre. Il lui a dit, dès que tu reçois ce message, tu laisses tomber ton poste et tu seras remplacé par Abu Ubaïda. Tu n'es plus général, tu n'es plus chef, tu seras deuxième classe. Sans raison, sans justificatif, sans explication. Tu reçois cette lettre, tu prends ton épée, tu sors à la guerre et tu laisses Abu Ubaïda prendre ta place. Sayyidina Khalid reçoit le message en pleine guerre. La première chose qu'il a fait, il a emprisonné le messager. Il l'a enfermé pour que ça se propage pas. En pleine guerre, on dit que le chef, il est destitué, ça peut toucher le moral des troupes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que pour lui, pour que ça l'arrange, il fallait que le bruit sorte pour qu'il perde la guerre, il dise que c'est à cause de... C'est... Non, pour lui, c'est pas ça. Il a enfermé l'adhèque, il a appelé Abu Ubaïda. Il lui a dit, tiens, tu prends ma place. Moi, je vais de général à deuxième classe. Est-ce que c'est concevable? Et alors on lui a dit, oh Khalid, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as accepté? Il a dit, moi je combats pour le Dieu de Omar, pas pour Omar. Donc il a cheminé. Et les musulmans pour Allah maintenant? Ou là pour le poste? Pour Allah. Et cette bataille qu'il a gagnée contre son ego vaut 1000 fois les autres batailles qu'il a gagnées. Une bataille contre l'ego vaut 1000 batailles d'armée. Il y a Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu une fois d'une bataille et rentrant à Al-Makka, il a dit, nous revenons de petit jihad pour le grand jihad, de la petite bataille, de la petite guerre pour la grande guerre. Et Rasoulallah, c'est quoi la grande guerre? Il a dit, la guerre des armes, c'est la petite guerre. La grande guerre, c'est la guerre contre notre ego. Parce que maintenant, on est gagnant et on est fort et notre ego va prendre place, il va essayer de se manifester. Donc, on doit combattre notre ego. Le cheminement et l'islam, il est fait pour cheminer, pour s'élever et s'améliorer. Si ton islam ne t'aide pas à t'améliorer, ce n'est pas de l'islam. Il y a une faille quelque part, il y a une faute quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna Allah ashtara min al-mu'minin. » Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a acheté des croyants, leur âme et leur argent. Qui c'est qui a acheté? Allah. Et qui c'est qui a vendu? Le croyant, qu'est-ce qu'il a vendu? Son âme et son argent. À qui appartient l'âme? Et à qui appartient l'argent? Donc Allah, il a acheté sa propriété. Donc, déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a gratifié et honoré en te disant que c'est ton argent et ton âme. Il crée la chose, il en fait ta propriété et puis tu l'achètes.
C'est de la folie, ça. Ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de l'homme. Ce qu'est l'homme pour Allah. Ishtara, Allah il achète. Il dit l'homme, donne-moi ton âme et ton argent, je te donne le paradis. Alors que ça lui appartient. Tu lui appartiens tout entier avec ton or, ton argent et tout. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut montrer son bienfait sur toi, il crée le bienfait et te l'attribue. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الفضل ثم نسبه إليك. Il crée le bienfait et il te l'attribue. Et ça, c'est le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tes adorations et ta vie et tes actes, tu les fais dans l'humilité. Et que ça entraîne en toi une humilité, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu as ramené avec toi? Après tout ce temps, qu'est-ce que tu m'as ramené? C'est une question qu'on aura d'Allah. Abdi, bima ataytani. Mon serviteur, qu'est-ce que tu m'as ramené? Après ce long voyage. Il a simplement, tu lui dis, Allah, j'ai rien. Tu dis non, non, non. Tu as prié. Voilà, tu m'as créé. Tu as embelli l'islam et la foi et tu l'as fait aimer dans mon cœur. Et tu m'as aidé dans ce chemin. J'ai pas prié. C'est toi qui as tout fait. Et tu dis non, 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 c'est toi qui as prié. Moi, je t'ai rien fait. Cette prière, tu l'as fait par ta force et par tes efforts, et je t'en donne une récompense. Plus tu attribues le bien à Allah, plus il te l'attribue. Et puis tu t'attribues le bien, plus il te demande des comptes. Quand tu estimes que tu as fait quelque chose, qui compte, tu rendras des comptes. Et quand tu estimes que tu n'as rien fait, Allah subhanahu wa ta'ala réparera et soignera les actes et tu les attribueras et t'en donnera une récompense. C'est pour ça que je dis souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne les comptes, la balance. On dit qu'il y a la balance le jour de la rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne cette balance. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai rien à mettre dessus. La deuxième, c'est que je suis tellement épris de son amour que je le regarderai, je ne regarderai pas sa balance. Si je regardais la balance, ça me détournerait de lui. Il y a lui, il y a la balance. Qu'est-ce que je vais regarder? La balance, c'est une création. Ce cheminement, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala achète ton âme, ça veut dire que tu ne vas pas te tuer pour lui dans la guerre, non. Ça veut dire que tu vas tuer ton âme pour lui. Tu vas tuer ton âme et ton ego et tes passions pour lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il achète quand tu fais l'effort de combattre ton âme. Et l'argent vient après l'âme. Parce que c'est quoi qui aime l'argent? C'est ton ego. Et dès que tu combats ton ego pour Allah, tout le bien matériel n'a plus aucune valeur.
Rien. Parce qu'ils ont la, parce qu'ils, parce qu'ils auront le paradis. Le paradis, ça veut dire parce qu'ils auront ma proximité. Ils seront mes voisins dans le paradis. Ils seront mes voisins dans le paradis parce qu'ils auront des âmes pures, qu'ils auront purifiées quand ils étaient sur terre. Yuqatiluna fi sabilillah. Ils combattent pour Allah. Ils combattent qui? Nafs. Fayaqtalu yaqtulun. Ils tuent et ils se font tuer. Ils tuent par l'effort de la purification et ils se font tuer par le cheikh, par l'effort de cheikh. Il y a deux travaux de purification. L'effort personnel et l'effort de Cheikh. Qad aflaha man tazakkaha, l'effort de personnel. Qad aflaha man zakkaha, l'effort de Cheikh. Jannah, le paradis, il faut toujours comprendre, le paradis c'est la proximité, le voisinage de Sayyidina Rasulullah ou le voisinage d'Allah. Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dans un hadith, il dit, si vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Parce que le toit de le Firdaus, c'est le trône d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous demandez le paradis, demandez le voisinage d'Allah. Pas le paradis pour manger, procréer, ou là, pour je ne sais pas ce qu'il... Qu'est-ce que peut te faire plaisir dans le paradis. Donc, inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Et cette science, cette énorme science qui est le cheminement et l'élévation et l'amélioration dans l'islam pour mourir dans une station digne de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez qu'on peut le faire tout seul? Vous croyez qu'on peut le faire tout seul? Hein? Si tu veux apprendre à réparer une table, tu le fais tout seul ou il te faut un menuisier? Quand tu es malade, tu te soignes tout seul? Et pour te purifier, pour le voisinage d'Allah, tu le fais seul? Tu ne le fais pas seul. Yaqtuloun, tue et se font tuer. Il faut que tu combattes ton ego par toi-même et par ton maître. Les compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu leur âme par eux ou la par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les deux. Les deux. Combattre son âme tout seul, c'est éduquer, essayer de éduquer son ego par son ego. Tu dis à ton ego, je vais t'éduquer. Mais avec mon ego, c'est l'éduquer qui s'auto-éduque. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? C'est pour ça que Shuyukh, Cheikh, il te donne des fois des conseils. À chaque fois dans la vie, tu es devant une bifurcation de chemin. Quel chemin je vais prendre? Et tu es perdu. Et tu ne sais pas quoi faire. Et quand tu prends un chemin, tu t'engages dans ce chemin, ça peut te mener loin et t'égarer, t'éloigner. Un seul conseil de cheikh peut changer ta vie. Sayyidina l'imam Sha'rani, radiallahu anhu, un grand savant, imam Sha'rani, il maîtrisait les quatre courants islamiques, les quatre colons de madahib, de jurisprudence, il les maîtrisait. Et c'est rare. Un grand savant de l'Azhar, il cherchait un maître éducateur, un cheikh. Et quand il a rencontré cheikh, son cheikh, c'était quelqu'un qui vendait des paniers,
qui fabriquait des petits paniers dans le marché et qui les vendait. Illettré. Illettré, un vendeur de paniers, et Cheikh, avec sa grandeur, est venu chez lui. Il s'est amalé comme ça. Je veux que tu sois mon Cheikh, mon maître. Il dit, toi, tu veux devenir? Il dit, oui. Il dit, je t'accepte à une seule condition. Tu vends tous tes livres de science. Et ça, c'est une demande inconcevable pour un savant qui a passé sa vie à apprendre. Et les livres à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. C'était pour trouver un livre, pour avoir un livre dans sa bibliothèque, c'était un miracle. Il lui a dit, tu vends tout. Et tu donnes l'argent aux pauvres. Est-ce que c'est halal ou haram? Hein? Est-ce que pour demander à un savant de vendre ses livres? Ça veut dire vendre sa science. Et le moyen de conserver sa science, de réviser sa science. Et voilà cet illettré qui est en train de lui demander vendre ses livres. Hein? C'est haram, ça. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé cet homme et il a vendu ses livres. Pourquoi il lui a demandé de vendre ses livres? Parce que cette science, c'est l'obstacle qu'il y a entre lui et Allah. Parce qu'il voit tout, son existence et sa grandeur, il vient de ses livres, alors que la grandeur ne vient pas des livres. La grandeur vient de ta petitesse devant Allah. Donc, اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Ce qu'il y a de beau dans l'islam, c'est le cheminement vers Allah. Et tout le reste, c'est un décor. Nous, on s'est intéressé au décor et on a oublié le fond. Cheminer vers Allah. الله يعرفني ويعرفكم كالله سبحانه وتعالى كالله نفاس كونيتر الله بار الله هذا et pour ça, ça c'est une guerre. Il faut se faire tuer et tuer. Vous êtes prêts à devenir des assassins? Et faire de moi le plus grand des assassins. C'est notre chemin, c'est notre islam. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit « La bourika li fi tulu'i shamsi yawmin lam azdad fihi min Allah qurba » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne mette aucune grâce dans une journée qui ne me rapproche pas d'Allah. Dans un autre hadith, il dit « Man istawa yawmahu fahuwa maghboun » Celui dont les deux journées de suite, ce qui se valent, il s'est fait avoir. Ça veut dire qu'il est dans la même station aujourd'hui qu'hier. Et celui dont la veille est meilleure que sa journée, il ferait mieux de mourir. Puisqu'il court à sa perte, il faut mieux qu'il arrête l'hémorragie. Soit tu progresses, soit tu régresses, et si tu vois que tu vas régresser tout le temps, il vaut mieux que tu partes. La vie ne mérite d'être vécue que s'il nous rapproche d'Allah. C'est pour ça que les walis, les awliya Allah, n'aiment pas mourir. Un wali n'aime pas mourir.
Pourquoi elle n'aime pas mourir? Chaque souffle le rapproche d'Allah. Et chaque souffle, il peut sauver une âme égarée. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Mourir ou bien continuer à vivre? Et tu vois que le cheikh, il déteste la mort. Il veut vivre. Vivre, bon sang, comme on dit. Vivre. Vivre pour se rapprocher et vivre pour sauver. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas aimé mourir. Mais il a reçu la révélation. Al-yawma atmamtu alaykum. Hein? Al-yawma? Al-yawma? Il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi sa mission est terminée. Donc il est parti. Il ne peut plus rien rajouter. Donc, vivre son islam, vivre sa foi, vivre auprès de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vivre auprès de Cheikh, il faut que ce soit un chemin qui nous rapproche d'Allah par la purification de nos cœurs. Et c'est ça qui est absent dans notre culture islamique. Dans notre culture islamique, on n'étudie pas le cheminement de chacun. Et ça, tu le vois partout. Partout. Tu vois le souci de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa pour les hommes. Tu le vois, tu le sens. Tu ressens l'état de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et son souci pour les hommes. Et Allah, tu ressens le souci, le Allah qui voit le souci de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui veut lui faire plaisir. Tu le vois. Et c'est tellement beau. Et c'est magnifique. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on arrive à ressentir cet amour de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ce regard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ce que fait Sayyidina Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala pour plaire à Sayyidina Rasulullah. Après des événements grandioses où il y a eu beaucoup de trahison de la part des hypocrites, les gens qui prétendaient être musulmans, qui ont fait beaucoup de mal à l'islam, et qui ont comploté contre l'islam, et qui voulaient en finir avec l'islam, est descendu une sourate, sourate Bara'a. Toutes les sourates du Coran commencent par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Chaque surah, il commence au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire tout le message qui va suivre, il va émaner de qui? Du miséricordieux. Et tous les mots et tous les versets, ce sont de la miséricorde pour les hommes. Ça veut dire tout est miséricorde. La perfection absolue et l'amour absolu d'Allah pour sa création. Il commence chaque verset, chaque sourate par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf Bara'a. Où Allah subhanahu wa ta'ala a montré de la colère envers ceux qui complotent pour mettre fin à l'islam. Et imaginez le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit ces versets très durs envers les ennemis de l'islam, les comploteurs. On l'appelle surat al-saif, surat de l'épée. Elle était tellement dure. Comment est le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes? Croyant ou pas croyant? Rahmatan lil alamin, miséricorde pour toutes les créations. Même pour les ennemis, même pour les ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est furieux et en colère contre les ennemis de l'islam, et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit ça et qui reçoit les révélations verset après verset, et une sourate qui commence sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sans au nom d'Allah le miséricordieux. Comment est le cœur de Sayyidina Rasulullah? Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit ces versets et qui souffre en les recevant. Et à la fin de sourate,
Allah subhanahu wa ta'ala, en regardant cette miséricorde que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pour les hommes, il veut montrer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et montrer la grandeur de sa miséricorde. À la fin de la surah, il a dit « Laqad ja'akum rasoulun min anfusikum, azizun alayhi ma'anittum, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim » Il vous est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, un grand homme qui aime votre bien et déteste votre mal, et miséricordieux et clément avec vous. Quand la miséricorde d'Allah a disparu de le début de la surah, la miséricorde de Sayyidina Rasulullah a apparu à sa fin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te permet de rentrer dans cette intimité, parce que finalement ça se passe entre qui et qui, entre Allah et Rasulullah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre cette porte et te permet de rentrer dans cette intimité pour voir la grandeur d'Allah et la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu rentres dans cette intimité, tu en prends quelque chose ou non? Ou là tu sors bredouille? Tu en prends quelque chose. Et tu deviens à ton rôle, à ton tour, miséricordieux avec les hommes. Et tous ceux qui te connaissent, ou t'approchent, ou t'aiment, ressentent que de la miséricorde. Il ne vient pas de toi. Il vient de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux que ton ego et ton âme et ton argent n'aient plus de valeur devant Allah? Laisse-toi tuer. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Barakatikou. Allah. La grandeur de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il fait de nous, Sayyidina Rasulullah. Regardez Sayyidina, la miséricorde de Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il fait de nous? On est sur terre ou bien on est dans le paradis? On est dans le paradis. Parce qu'on est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan.